Comment s'enregistrer sur bridgeafrica.com? Allez sur www.bridgeafrica.com pour vous inscrire. Inscrivez-vous en cliquant sur l'icône inscription en noir. Ici, vous allez entrer votre donnée personnelle. Ensuite, vous recevrez un email automatique avec un lien qui, une fois cliqué, vous mènera à la page d'accueil. Comment consulter son profil? Vous pouvez consulter votre page de profil en cliquant sur le bouton profil dans la barre de navigation ou sur le côté gauche où vous trouverez votre nom. Lorsque vous êtes sur votre page de profil, vous pouvez voir ce qui vous suit en cliquant dessus. Publication. Cette page vous permet de voir les annonces ou ce qui a été publié par d'autres personnes. À propos, cette page parle de vous, comme votre nom, quand vous avez rejoint la plateforme, votre email, votre profession et votre emplacement. Site web. Cela vous amène au site web que vous avez créé. Photos. Ici, vous pouvez voir toutes les photos que vous avez publiées sur votre page. Suivant. Cette page vous permet de suivre à la fois les personnes et les sites web. Vous pouvez également suivre les personnes dans votre domaine de qui vous pouvez en bénéficier. Puisque vous faites partie du réseau PA Jeunes, suiveurs, cette page vous permet de voir combien de personnes vous suivent. Comment créer son site web? À partir de votre tableau de bord ou page d'accueil, vous pouvez démarrer le processus de création d'un site web en sélectionnant le bouton « Créer un site web ». Une fois cliqué, il vous mènera à la première étape de la création de votre site web où vous allez sélectionner un modèle. Vous trouverez ici de nombreux modèles, mais vous sélectionnerez le modèle PEA Jeunes spécifique qui se trouve à la page 3 de la liste des modèles. Maintenant que vous êtes à la page 3, choisissez le modèle unique PEA, puis cliquez sur le bouton suivant. Maintenant, vous êtes à la page 2 de la création de votre site web. Et ici, vous allez mettre le titre de votre site web qui devrait très probablement être le nom de votre entreprise. Ici, vous choisirez également votre URL unique. Assurez-vous également de trouver une URL originale car il ne peut y avoir deux URL identiques sur le système. Maintenant que vous êtes à l'étape 3, vous allez entrer plus d'informations pour votre site web. Notez que tous les endroits marqués d'une étoile rouge sont obligatoires. Vous en êtes à l'étape finale et vous pouvez maintenant publier votre site web en cliquant sur le bouton « Publier ». Comment afficher sur votre site web en tant que site web et en tant que personne? Une fois sur le tableau de bord, vous pouvez voir votre boîte de contrôle et à partir de cette section, vous pouvez contrôler l'affichage en tant que personne ou pour un de vos sites web. Pour poster en tant que personne, assurez-vous que le menu déroulant pointe vers votre nom qui est votre profil personnel. Maintenant, pour faire un message en tant que personne, allez dans la boîte de statut qui se trouve sur le côté gauche de votre boîte de contrôle. Une fois dans cette boîte, ajoutez votre message qui peut être écrit ou une photo ou même une vidéo. Une fois le contenu préparé, vous pouvez publier. Pour créer un message en tant que site web, allez dans la boîte de contrôle et la flèche déroulante vers le bas avec votre nom. Vous pouvez maintenant sélectionner le site web de votre choix à l'endroit où vous voulez publier. Maintenant, allez dans la zone de statut et écrivez ce qu'il y a de nouveau dans votre esprit. Consultez le site web de PEA Jeunes et s'y engager en cliquant le lien sur la barre de navigation. Sur le site de PEA Jeunes, nous avons les pages suivantes. Accueil, à propos de nous, commentaires, annonces, suiveurs et contacts.